Quindi è stato tra Camille e il chapeau del Paul Ricard. Avec il a la veste, quindi non c'è per la mia è la mia Eh bien, la voici, la voilà, belle courtière, bien charpentée. Ah, et bien, on me dit déjà qu'elle a un joli nom. Eh bien, c'est tout à l'honneur de Guy Bachet. Alors, tous les applaudissements pour Mathieu Dupuis qui lance cette course devant cette coursière Gouveline. Avec l'écart sur la feinte, avec une belle réussite. Ah, quand on dit quand l'entame est bonne. Il va découvrir les coursières de la Granaderia du Sceau. Et les cas sur la fente. Il a choisi de venir dans le Grand Bain sans passer par l'école taurine. Alors voyons un petit peu ce garçon, c'est la découverte pour nous. Alors, on va lui souhaiter beaucoup de réussite. Et il a mis son pied à ce garçon. Eh bien ça mérite des encouragements pour Guillaume. Pierre Alain Castex qui va la conduire au refuge. Un peu, hein. Un jeune coursière Folga. Eh bien, qui dit jeune coursière, il faut un garçon d'expérience. Comarieux. Nicolas Comarieux, qui vient affronter cette jeune pensionnaire. Première fois la corde. Eh bien, elle avait le nom qu'elle va porter, j'espère qu'elle portera haut les couleurs folgariennes. À Fougueuse. Ah oui, la Fougueuse de cette jeune coursière.
Eh bien, ça va être le dernier départ, le dernier quart offert à tout le public du chef de quadrille Nicolas Pomarieux. Allez, je m'étale, la réussite. Le Flamagnac 13, le culturel de Saint-Gervais de Berlay-Alain 10, le comité des fêtes de Caser 15, et c'est Jérémy Brette qui va donc venir se présenter au-dessus de Marina et il offre le premier saut à tout le public. Allez, Jérémy. Va chercher. Avec un saut de l'ange. Allez, Jérémy. Oh putain! Ah, pardon. Oh, bah, je crois que partie remise de Jérémy, ce n'est pas bien méchant. Ah, oui, là, alors, toujours les pays de Marie-Rose, les garçons Perrin 25. Elle était partie. Je les touche 10 et Kiki Comarieux 15. Allez, cette partie remise, ce sera le cinquième départ de Marina. Avec un brindis qui offre donc ce saut au comité des fêtes de Castandet. Avec un très bon passage, bien au-dessus de la coursière qui mérite des applaudissements pour Jérémy. Sérieuse. Et de Lorraine, pardon. Allez, chercher. La noix, pas. Ah, tu moi la connais, blé. La noix? Non. Moi, elle est blé. Alors, l'arrivée de Paloma. Alors, Mathéo Cross, 10. Marcel Marsan, 15. Oui. Nicole Fazolo, 15. Pour la quadrilla. Nicole Fazolo, 20. Pour le Canadien. Pierre Dicou, à Molézin, en Armagnac, 15. Georges et Marie-Rose Dupat 20, Pierre Guichanet 20. Ah, voyez une coursière bien charpentée, et bien qui va être positionnée par Eric Duclavé. Oh là là, oh là là, quel tricot. Ah, vous voyez, c'est du solide. Ah, une coursière solide. Ah, il faut canaliser. Là, on retrouve donc Carles Espinel. Ah, il faut la mettre dehors. Allez, quand il va avoir trouvé la mesure de la courtière, hein, tous les rouages vont être bien réglés. Je suis sûr qu'il va réussir, Carles. Allez, Carles. Et en plus. Applaudissements au Pastoros. Allez, Carles. Ils n'ont qu'à le changer, mais ils allez, on peut te faire confiance, on sait que tu as la possibilité. Alors on attend avec beaucoup d'intérêt ce troisième départ. Allez, Carles. Allez, merci. Le joli coup de ficelle de Guillaume. Et bien, on peut applaudir Carles. Et on peut applaudir Guillaume Dussault également. Et bien, Philippe Foucault, tu vois, reconnu ton travail, Carles. 20 euros pour toi. Oui, pour la tester. Merde, c'est là que je devais le tourner. Ah, mais la vigilance du maître Cordier Guillaume Dussault. Ah, mais la réussite. Tu vois, le public, Mathieu, ne se trompe pas. Eh bien, ça mérite encore des applaudissements pour les carteurs de Mont-de-Marsan. Allez, Mathieu. La coursière est belle. Ouh, la tente. Quand la tente.
Eh bien, il est parmi nous, qui va offrir cet écart à Maurice Lapeyre, le grand tauromache folgorien. Alors, c'est pour Maurice Lapeyre. Alors, tu sais, Mathieu, Maurice, c'est un aficionado qui connaît tous les rouages de la course landaise. Il apprécie la qualité. Alors, c'est pour toi, Maurice. Alors, pour Maurice Lapeyre. Ah, il avait mis tout son cœur. Dommage. Supporter Carles presque à l'intégralité avec un relais de Mathieu Dupuis pour deux présences. Alors, dernier départ. Toujours Carles avec la belle Paloma. Et on aime, c'est vrai, dans cette cité folgarienne, on aime le bétail sérieux. Et bien. Ouais. On s'amusait bien. Hein. Avec une jolie coursière. Alors, voyons un petit peu. Ah bien, c'est le spécialiste Nicolas Comarieux. Rapide. Magnifique passage sur.